Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face à face. Et tout de suite, notre face-à-face. Et aujourd'hui, on reçoit Ferhat Mehenni, président du gouvernement provisoire kabyle en exil, homme politique, écrivain algérien, membre fondateur du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et surtout, il publie « Réflexions dans le feu de l'action, histoire de la renaissance du peuple kabyle » aux éditions Fauve. Et pour la petite... Donc, anecdote, Ferhat Mehenni, notre invité, est également le chanteur de ce morceau. Bonjour, voilà. Ferhat. Bonjour. Bah écoutez, on est ravis, c'est vrai. Très belle chanson. Vous avez été longtemps chanteur, Ferhat? Toute ma vie, pratiquement, j'ai été chanteur depuis mon âge de 18 ans, depuis que j'occupe la fonction de président du gouvernement provisoire kabyle. Je me suis éteint un peu sur ce plan-là et ne distillais que avec minutie des extraits de chansons. Donc il y a eu quand même un CD qui est passé en 2015 et là en voyant tout ce qui se passe en Kabylie, la répression féroce qui s'exerce contre des militants pacifiques et innocents, je me suis senti dans l'obligation de leur rendre hommage en faisant cette chanson. J'espère qu'elle est belle et qu'elle plaira ceux qui sont. Elle est belle, on va en reparler, mais justement, Ferhat Mehenni, beaucoup de choses à dire. Et moi, si vous voulez, quand j'ai reçu votre livre, je me suis dit, et ça fait quelques années qu'on fait cette émission à Sud Radio, on fait parler un peu les diverses identités, on s'est dit, mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez du peuple kabyle, on ne parle pas assez des kabyles, au nom de quoi, et voilà. Je ne sais pas, je crois que quand on regarde la société française, elle est kabylophile. Les kabyles ont une très bonne image dans la société française, mais quand on regarde les institutions, c'est comme si elles avaient de la mémoire et de dire que la colonisation, si elle a échoué en Algérie, c'était grâce aux Kabyles, et donc maintenant ils n'ont que ce qu'ils veulent. C'est comme une condamnation à perpète. Alors justement, Monsieur Mehenni, Emmanuel Macron vient de rentrer d'Alger, d'Oran. On a parlé hier de l'arrêt des réceptions. On a aussi parlé des commentaires de radio algérienne qui était celle qui était, et surtout qui disait que la France n'a plus le rôle qu'il avait. Enfin, mais la question, est-ce que je me suis laissé dire qu'il y a eu un certain nombre d'associations qui auraient, avant son voyage, demandé au président Macron de parler des Kabyles avec le Premier ministre Tebboune. Et en fait, j'ai l'impression, mais alors corrigez-moi si je me trompe, que la question n'a pas du tout été abordée dans ces entretiens. Oh, figurez-vous qu'il a été abordé, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que les Algériens, surtout à la réunion qui a regroupé les responsables de la sécurité au sommet entre l'Algérie et la France, l'extradition de ma modeste personne a été évoquée alors que je suis un réfugié politique. Ah bon, France, ils ont demandé, enfin on a demandé En tous les cas, la presse algérienne en parle des fuites organisées ou non en font état aussi de cette demande capricieuse de criminels séniles qui sont au pouvoir en Algérie, et je m'étonne que M. Macron s'assoie à la table avec ceux qu'il a qualifiés de système politico-militaire, vivant de la rente mémorielle et faisant du chantage à la France, à la mémoire, tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Essayons peut-être d'élargir, de faire comprendre aux auditeurs du Sud Radio, il y a tous. Au fond, la Kabylie et l'Algérie, c'est une longue histoire, on ne va pas la raconter dans le détail, mais vous dites qu'il y a une spécificité de la Kabylie, et cette spécificité jusqu'ici n'a pas été reconnue. Effectivement, d'abord, dans la colonisation, la Kabylie ne faisait pas partie
du premier lot de la colonisation. C'est Napoléon III qui avait décidé de créer, d'annexer la Kabylie à l'Algérie française. Pendant 20 ans, il y avait, 27 ans même, il y avait une Algérie française et une Kabylie indépendante. Et c'est sur un coup de tête de Napoléon III que la chose fut décidée d'annexer la Kabylie au prix de massacre. Mais ceci n'a pas découragé les Kabyles. C'est justement le fait que les Kabyles n'aient jamais accepté de perdre leur souveraineté qui a mis en danger la colonisation et qu'on a eu raison plus tard. La guerre d'Algérie était faite par les Kabyles. Le mouvement national d'indépendance de l'Algérie était fait par les Kabyles, mais les Kabyles croyaient que l'indépendance de l'Algérie allait être la leur. Ils ont demandé un territoire qui n'était pas le leur et qui s'est retourné contre eux. Vous voulez dire que dans les combats, évidemment, pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, rappelons-le, vous dites que les Kabyles ont joué un rôle prépondérant, en tout cas important. La guerre d'Algérie était le fait des Kabyles. Vous n'aviez qu'à consulter. Pas uniquement. Non. Il y a eu au départ, il y avait les Ouarès qui avaient participé, mais en dehors de la Kabylie et des Ouarès, c'est le congrès de la Soumam qui a fondé l'État algérien. L'atteste, il la rend hommage à la Kabylie et aux Ouarès et rien d'autre. Je comprends. Et parmi les combattants, on connaît, il y a des noms que l'on connaît. Même les accords d'Évian ont été signés par un Kabyle. C'est Krim Belkacem la création de l'État algérien sur la base du congrès de la Soumam. Cela s'était passé en Kabylie et présidé par Ben Ramdan qui était un autre Kabyle. Et donc vous dites que les Kabyles pensaient que justement dans cette Algérie indépendante ils auraient leur spécificité, ils auraient leur autonomie disons Je pense qu'ils pensaient plus que cela. Ils croyaient qu'ils allaient gouverner l'Algérie. D'accord. Et ce sont ceux qui préparaient le pouvoir à partir des frontières algériennes ou à l'est et à l'ouest qui, une fois la guerre terminée, les accords d'Évian signés, sont venus prendre le pouvoir. Ils étaient deux clans qui allaient s'affronter l'un contre l'autre, la guerre des wilayas entre ceux de l'est et ceux de l'ouest. Et quand la Kabylie avait dit, écoutez, je ne dépose pas les armes parce que nous nous sommes battus pour notre liberté, à ce moment-là, ils ont réalisé une alliance sur leur dos entre le clan sur de l'est le dos des Kabyles. Voilà. D'accord. Et la Kabylie, de héros de l'indépendance qu'elle était, est devenue le paria. D'accord. Oui. Bah. Et vous savez, il faut que je vous dise ça. Parce il faut dire que les Kabyles parlent une autre langue, ont une autre culture. Et cette structure étatique existe depuis déjà. Les Romains. C'est-à-dire que les Romains s'étaient cassés les dents sur les Kabyles eux-mêmes, avec Tacfarinas et autres. Et on dit. Ça remonte aux Romains. Ça remonte aux Romains. Ouais. Et il y a eu une guerre de 30 ans, de 30 ans qui a été menée en Kabylie par les Romains contre les Kabyles. Ils n'ont pas réussi à les battre. Cela est attesté par Amélien Marcellin, qui est un historien romain, qui avait écrit au 4e siècle. Et vous dites que cette spécificité-là, vous la défendez, vous aujourd'hui, et puis beaucoup d'autres, et vous dites, nous avons... parce que pourquoi je vous dis ça? C'est intéressant parce que on a eu beaucoup de tweets, de réactions, de mails annonçant votre venue et beaucoup nous félicitaient de vous recevoir et d'autres disaient mais non, mais comment, je vous le dis, comme on l'avait présenté, vous recevez un terroriste. C'est-à-dire vos adversaires vous traitent de terroriste. Oui, c'est la dernière trouvaille du régime algérien qui a changé le code pénal de manière tout à fait scélérate pour transformer un article 87 bis du code pénal algérien en celui qui assimile à du terrorisme tout acte pacifique d'opposition au régime algérien. Si j'étais un terroriste, cela se serait su depuis longtemps. Ouais. Voilà. Je suis un musicien, je suis un chanteur, je suis un poète, je suis un écrivain, je suis un homme d'idées. Il ne saurait y avoir d'actes de violence de ma part. Par contre, cette classification d'un homme pacifique de terroriste est lui-même un acte terroriste. Et que pensez-vous alors, Ferhat Mini, on va pouvoir développer tout ça, et puis après nos auditeurs, mais
Que pensez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut arriver? Parce qu'on voit très bien, vous avez suivi évidemment, les relations entre la France et l'Algérie, de 62-2022, hein, ça fait un bail maintenant, et on a l'impression, d'un côté, le président Macron va en Algérie, dit la colonisation est un crime contre l'humanité, il y a la réception, il y a cette espèce de malentendu complet, et puis là-dedans, effectivement, le comme vous avez dit, le problème kabyle est mis entre parenthèses en disant « cachez ce problème que je ne saurais voir ». C'est exactement cela. C'est ça. En fait, la France et M. Macron ont une fascination pour l'Algérie. C'est un pays proche et lointain, c'est l'ennemi intime, si vous voulez. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'on côtoie et qu'on aurait aimé avoir de son côté, mais qui, lui, cultive un sentiment anti-français et oui, qui est fort. Étrange et ouais. Qui fait mais que... Comment vous l'expliquez dans la configuration géopolitique actuelle, la France... se trompe, se leurre en croyant que l'Algérie va se mettre de son côté ou du côté occidental dans le conflit qui oppose la Russie au monde occidental. Mm-hmm. L'Algérie est sous contrôle russe, quoi que fasse la France. Mmh. On va continuer à en parler, c'est passionnant. On va continuer à parler avec Ferhat Mehenni. Je rappelle son livre, vraiment à lire, Réflexion dans le feu de l'action, aux éditions Fauve. À tout de suite. Et on revient tout de suite sur Sud Radio pour le face-à-face de Berkoff dans tous ses états. Si vous voulez poser des questions à notre invité ou réagir, notamment aux dérives du planning familial ou encore à l'insécurité galopante, vous nous appelez au standard 0826 300 300. Vous pourrez poser vos questions à 13h45. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 30 14h. André Berkoff. Dans le feu de l'action, effectivement, nous sommes dans le feu de l'action, médiatique, mais c'est important de transmettre, comme vous le savez. Et lui, Ferhat Mehenni, il est dans le feu de l'action artistique, il l'a été, il l'est, et dans le feu de l'action politique. Alors, cette renaissance du peuple kabyle que vous appelez de vos voeux, et vous n'êtes pas le seul, Ferhat Mehenni, au fond, est-ce qu'aujourd'hui... Je vais être un peu brut de décoffrage. Est-ce que c'est un combat perdu d'avance compte tenu de ce qui se passe dans le monde où effectivement, d'un côté, parce qu'on pourrait dire, on a une résurgence formidable des identités un peu partout, quel que soit ce qu'on en pense, et on le voit, hein, résurgence de la multipolarité des pays, des nations, etc. Et d'un autre côté, effectivement, des grands blocs, des grands groupes qui veulent surtout le pouvoir soit bien assis et que les petites dissidences ou les moyennes dissidences soient étouffées. Comment survivre dans ce paysage ? Il n'y a jamais de frontières figées pour l'éternité. Depuis la nuit des temps, ces frontières bougent. Et il y a des injustices qui sont commises à travers le temps contre des peuples qui finissent, en général, par réémerger et revenir à la vie. C'est l'espoir de la Kabylie. Notre combat n'est pas perdu, bien au contraire, puisque nous apportons un plus dans notre combat au monde de la liberté, aux valeurs sacrées de l'humanité, et nous faisons en sorte que malgré les vicissitudes et les contradictions, les relations très compliquées entre les acteurs internationaux, mmh. que notre heure puisse venir. Mais pour une fois, nous ne sommes pas belliqueux, nous ne sommes pas dans la violence, nous sommes juste dans la raison et le droit à l'autodétermination. Nous croyons au travail diplomatique, nous croyons à la conviction, à la persuasion que nous pouvons exercer sur nos interlocuteurs de telle sorte que nous fassions converger les intérêts conjoncturels ou durables d'un pays avec ceux de la Kabylie. La Kabylie réémergera nécessairement. Il ne faut pas croire que la Kabylie soit une peuplade, un groupe ethnique particulier. Hein. Il n'y a pas de groupe ethnique de 12 millions d'habitants.
Hein, vous voyez juste la configuration. Et la Kabylie est, si l'on compare la superficie, est à la 63e place à l'échelle de tous les pays qui existent à travers le monde. Il y a la 191, donc quand vous dites 60e, on se dit effectivement, il y a une place. Et justement, alors, pour revenir à la France, par rapport à l'histoire mouvementée déjà de l'Algérie et la France en général, l'histoire de la Kabylie et de la France, qu'on pourrait dire, je parle de l'histoire récente bien sûr, on pourrait dire quoi ? Écoutez, la France a enlevé sa souveraineté à la Kabylie par la force en 1857, puis en 1871. Et j'ai dit que la Kabylie s'était organisée pour ameuter autour d'elle et faire la guerre d'Algérie qui a abouti à son indépendance. Depuis, notre sort a été confié à l'Algérie et les Kabyles ont essayé de se démener à l'intérieur de l'Algérie. Il y a eu une guerre en 1963-65 contre Alger. Et depuis, nous avons décidé, notre génération du moins, a décidé de prendre à bras le corps le combat politique d'abord et de ne pas être violent. Et nous avons commencé par essayer de regagner l'Algérie à notre profit. Nous n'avons pas réussi. Pour regagner l'Algérie, il faut que l'Algérie soit démocratique. Or, si l'Algérie devient démocratique, elle va imploser. Puisqu'il y a plusieurs peuples à l'intérieur, nous ne sommes pas le seul peuple d'Algérie. Par exemple, quand vous parlez d'autres peuples. Oh, il y a les Chaouis, il y a les Touaregs, il y a les Mozabites. Il y a énormément d'identités particulières, de peuples particuliers à l'intérieur de l'Algérie. Et il y a aussi cette différence culturelle entre l'Est et l'Ouest de l'Algérie également, qui sont très marquées. Donc l'Algérie n'est pas une nation. La preuve est quand il y a un malheur chez un peuple, chez une région, dans une région d'Algérie, il n'y a pas de solidarité nationale avec. Tandis que quand il y a un mort en Palestine, toute l'Algérie descend dans la rue. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. À ce propos d'ailleurs, et à propos du Maroc et de la Tunisie, je crois qu'Oukili a une question à vous poser. Absolument, absolument. La Kabylie étant voisine du Maroc, dont le Sahara est au cœur de certaines revendications justement, je voulais vous poser la question suivante, à savoir quelle est votre position, vous, hein, en tant que président, sur la République arabe sahraoui démocratique. Est-ce que vous la reconnaissez comme un État indépendant du Maroc ? Non, nous ne reconnaissons pas cette entité parce qu'elle a été créée par l'Algérie avec son mouvement qui est le Polisario. Et l'Algérie est davantage intéressée par une extension d'hégémonie militaire sur la région plus que qu'elle n'est intéressée par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La preuve, elle soutient le Sahara, les Sahraouis du Polisario pour une république indépendante. Elle vient de mettre plus de 500 militants kabyles qui sont pacifiques en prison et qu'elle a torturés et qu'elle a violés à l'intérieur des centres d'interrogatoire. Mais pourquoi alors ? Pourquoi cette répression sur les Kabyles ou sur un certain nombre de militants kabyles ? Je pense que c'est d'abord du racisme anti-kabyle. Je suis convaincu qu'il y a une part de racisme anti-kabyle. Et d'ailleurs, ils font tout ce que la France faisait en son temps quand il était dans la colonisation de l'Algérie à l'époque, c'est-à-dire montrer que tout est pacifié, et on va mettre le plus de drapeaux algériens en Kabylie pour dire que c'est une partie algérienne. C'est la pacification, quoi. Voilà. Et à votre avis, alors justement, on a un peu Atmehni, à votre avis, vous dites effectivement, et vous avez raison de le dire, aucun combat n'est jamais perdu, et puis l'histoire ne s'arrête pas. Mais au fond, aujourd'hui, est-ce que c'est le jeu des pouvoirs, par exemple, vous parlez de la Russie, un peu, bon, par rapport à l'Occident, par rapport aussi à ce qui se passe en Inde, en Chine, hein, c'est global, aujourd'hui c'est mondial, on le sait, ça c'est pas nouveau, mais est-ce qu'il faut quand même un génie politique et une stratégie politique et géopolitique très importante, énorme, pour arriver à ce qu'un pays, vous dites 12 millions d'habitants, Je voudrais vous dire que nous avons toutes les compétences nécessaires pour mener ce combat pacifique et de manière civilisée.
Ce que je crois aussi, c'est que la France a perdu les pédales en ce qui concerne le contrôle du monde. Elle n'a plus de prise sur le réel parce qu'elle a vécu sur un schéma particulier qui faisait qu'il fallait soutenir des États tels qu'ils ont été dessinés par la colonisation, de soutenir des dictatures. Et ces dictatures sont devenues mercantiles ces derniers temps. Ils se vendent au plus offrant. Et à celui qui offre le plus de sécurité et d'avantages. Donc la France doit reprendre son rôle de pionnier, de construction, de constructeur du monde, de refonte du monde. Et justement, la première des choses à faire serait que la France contribue justement à redonner à tous les peuples qu'elle a privés de souveraineté, leur droit à l'autodétermination. Cela va reconfigurer pacifiquement, j'espère, en tous les cas, les frontières de l'Afrique et faire de l'Afrique un allié de la France et non pas un éternel ennemi comme cela se passe actuellement au Mali où l'Algérie a favorisé l'implantation des Wagner et l'influence les de Wagner, la Russie. Les Wagner, c'est les commandos russes. Ce sont les commandos russes qui font actuellement la loi et qui maintiennent au pouvoir les putschistes de l'année dernière. Oui, vrai problème. On va continuer à parler avec les auditeurs de Sud Radio. Je rappelle 0826 300 300. On parle avec vous et avec Ferhat Mehenni après cette petite pause. À tout de suite. Et oui, si vous voulez nous poser des questions, est-ce que vous pensez, vous également, que la Kabylie a le droit à son autodétermination? Si vous voulez réagir aux dérives du planning familial, vous n'hésitez pas, vous appelez au 826 300 300 et on vous attend pour 13h45. Ce sera votre tour sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours et avec Ferhat Mehenni, ces passionnantes réflexions dans le feu de l'action, l'histoire de la renaissance du peuple kabyle. On a déjà beaucoup parlé de ça et maintenant c'est votre tour, auditeur de Sud Radio, vous qui êtes sur les applis, avec nous, au standard, sur Facebook et tout le reste. Ah là, nous avons des auditeurs, je crois. Absolument, on commence tout de suite avec Farid de Lège Cap-Ferret. Bonjour Farid. Bonjour Farid. Oui, bonjour à vous, bonjour Sud Radio, merci de nous donner la parole, surtout d'inviter M. Ferhat Mehenni, qui est une figure emblématique des Kabyles. Oui, on vous écoute Farid. Alors en fait, premièrement, je dis un bonjour en Kabyle, M. Ferhat Mehenni à Zulfelech. Alors, premièrement, en fait, je voudrais intervenir par rapport à ça. En fait, je voudrais dire déjà, Ferhat Mehenni, que j'apprécie comme personne, premièrement, et comme chanteur. Il s'avère que moi, j'ai grandi dans le même quartier où il habitait avant qu'il soit classé comme terroriste par l'État algérien. Et j'ai grandi avec ses enfants et tout. Et donc, en fait, premièrement, c'est que j'apprécie son combat et je comprends le combat du MAC, du mouvement MAC. Oui. Mouvement pour l'autodétermination du peuple kabyle. Du peuple kabyle, exactement. Mais il s'avère que, en fait, par rapport à ça, j'ai quelques suggestions ou quelques remarques par rapport au mouvement. Allez-y, en fait, Farid. Premièrement, il s'avère que je connais très bien le mouvement, ayant des amis actuellement qui sont enlevés, parce que c'est le mot, qui sont kidnappés par l'État algérien alors qu'ils n'ont rien fait, et d'autres qui sont bannis du territoire algérien alors qu'ils ont milité pour le mouvement. Mais ce que je reproche au mouvement en soi, c'est d'ores et déjà d'exclure une certaine partie des Kabyles. Comment qualifier ça? En fait, il s'attaque. En fait, le mouvement en lui, comment il est créé? En fait, il y a une certaine haine qui s'est développée directement. Comment dire, une certaine haine, si je peux dire, un petit peu raciste. Entre qui et qui? Soyez précis. En fait, entre Kabyles déjà. C'est-à-dire que entre Kabyles et autres communautés Kabyles arabophones, et entre Kabyles en soi, surtout sur la question de l'islam, qui veulent effacer le mouvement, ils veulent effacer directement l'islam qui existe déjà en Kabylie, en fait, comme si en fait on devait se réinventer une autre identité pour effacer tout notre passé
et réinventer quelque chose d'autre pour être un Kabyle, c'est-à-dire même pas un Kabyle laïc, parce que un Kabyle anti-islam. Ok, Farid, c'est très clair. Non, je voudrais que c'est très clair. Vous avez dit la question de l'islam par rapport à l'identité Kabyle, vous la posez. Ferhat Mehni. Sincèrement, le problème de l'islam ou de la religion ne se pose pas pour nous. Nous ne sommes pas un mouvement anti-islam, nous sommes un mouvement laïque. Nous ne sommes pas là pour piéger l'avenir de la Kabylie, pour qu'elle soit demain, une fois indépendante, intolérante. Nous sommes là pour poser les bases d'une coexistence pacifique entre les croyances qu'il y a. Et les non-croyances. Et les non-croyances. Nous respectons tout le monde. D'ailleurs, à chaque fête musulmane, je présente mes vœux au peuple kabyle, comme aux chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens en Kabylie. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs, il y en a qui se convertissent. Et nous ne sommes pas là pour favoriser une tendance sur une autre. Nous sommes bonapartistes, si vous voulez. Pour nous, nous devons être les protecteurs des croyances de chacun, des droits de chacun, d'ailleurs. D'accord. Et nous ne sommes pas là pour élargir le fils, le mouvement islamiste, à la Kabylie. Oui. Nous sommes là pour élargir l'idée de liberté, de démocratie et vous de respect des croyances. Vous ne voulez pas que la Kabylie devienne un État islamique, avec le front islamique du salut, quoi. Je ne souhaite pas que la Kabylie devienne une dictature une fois indépendante. D'accord. Merci Farid. Merci. Auditeur. Et oui, nous recevons Jean-Pierre de Normandie. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour chers auditeurs. Écoutez, moi j'ai passé 5 ans en Algérie. Mon père était en coopération, donc je précise que je ne suis pas pied noir. Oui. Et je me suis occupé 2 ans de maghrébin et de turc adulte en France pour leur enseigner le français et trouver un emploi. D'accord. Alors, je suis tellement heureux d'entendre la voix de la Kabylie, car vous savez, je vais essayer de dénoncer des litotes pour ne pas choquer, mais très franchement, j'aimerais que nous puissions dialoguer avec des Kabyles en Algérie. Et Dieu sait si en ce moment, c'est difficile avec ce qui se passe. Les Kabyles ne fonctionnent pas avec un rapport de force. Ils n'en veulent pas à la France. Et pourtant, nous leur en avons fait baver. On leur en a fait baver en Kabylie. Mais ils ne sont pas dans le contentieux. Ils ne sont pas dans la haine de la France. Et il faut appeler un chat et un chat, puisque nous sommes sur une radio où on parle vrai. Le fonctionnement, le cognitif kabyle et le fonctionnement, le cognitif arabe sont différents, très différents. Alors évidemment, la loi de Pareto, 80%, il y a des exceptions, bien sûr. Mais globalement, combien il serait bon de pouvoir dialoguer avec des Kabyles qui ne sont pas dans le rapport de force. Voilà. Merci Jean-Pierre, merci en tout cas de votre témoignage, c'est important. Alain, je crois qu'on a énormément de monde sur le Facebook Live. Absolument, et sur le YouTube Live, on a des questions très intéressantes pour vous, cher Ferhat. Pourquoi vous ne demandez pas officiellement aux instances internationales votre indépendance? Pourquoi pas un référendum pour l'autodétermination en Kabylie? C'est exactement ce que nous demandons. Nous sommes tout à fait dans cette lignée-là, puisqu'en septembre 2017, nous avons déposé un mémorandum auprès de l'ONU réclamant le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Nous attendons toujours une réponse de la part de l'ONU. Et ils vous ont pas répondu à aucun moment. Mais il n'y a de réponse ni positive ni négative. Donc, et nous voudrions justement briser le carcan de la 4e commission chargée de la décolonisation au niveau de l'ONU pour introduire la décolonisation de la Kabylie. Autre Facebook Live, Alain. Là, c'est plutôt Malek de Paris qui nous attend et je vous préviens, le standard est bondé. Oui, je sais que le standard est saturé actuellement d'appels et de demandes.
Malek, on vous écoute. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. En fait, je voudrais intervenir par une... Je vais commencer par quelques remarques. Je voudrais juste que le monde sache que les Kabyles ne sont pas victimes de racisme en Algérie, qu'ils sont présents dans toutes les couches de la société algérienne. Ils sont fonctionnaires, ils sont dans les banques, ils sont chez l'État. Ils ont tous les postes dans l'enseignement supérieur. Ça, je voudrais vraiment le préciser. Parce qu'à écouter M. Ferhat, on a l'impression que les Kabyles sont victimes de racisme et qu'ils sont écartés de la société algérienne. Et ça, je voudrais bien insister là-dessus, parce que je pense qu'il est complètement déconnecté de la réalité de l'Algérie, hein, parce que les Kabyles sont présents sur tout le territoire algérien d'Alger, Constantine, Oran, Tamen, jusqu'à Tamen Rasset. Ils ont le droit d'exercer toutes les fonctions, hein, que ce soit commerçants, les postes, tout ça. Ça, c'est une réalité. Par contre, j'aimerais bien savoir, en parlant d'indépendance et en parlant des peuples, que ce soit les peuples chaouis ou autres, ou mes mzab et tout ça, moi, il n'y a pas vraiment de revendication exceptionnelle. Hein. Les gens vivent en Algérie. Après, on peut faire des remarques par rapport à la liberté. On est contre tous les prisonniers d'opinion, ça, c'est sûr et certain. Mais il ne faut pas agrandir cette histoire plus que ça. D'accord. Et je finirai par une question. C'est quelle sera les limites de la Kabylie indépendante, comme il nous parle Monsieur Mendy, la limite géographique. Est-ce que les gens de Djigel voudront bien venir? Est-ce que les gens d'Alger vont suivre? Il faut vraiment essayer une question précise. C'est une bonne question. Et puis alors, voilà. Malek a posé deux. En fait, il dit mais attendez, les Kabyles sont partout, ils occupent des postes, etc. Et puis, seconde question, Kabylie indépendante. Oui. Ce n'est pas parce que les Kabyles se retrouvent partout en Algérie, parce qu'ils se retrouvent aussi partout en France et à travers le monde. Et donc, cet argument ne marche pas. Par contre, il y a un racisme d'État. Je comprends que dans la société, ce clivage est moins visible. Mais quand vous allez sur les réseaux sociaux, faites un tour, j'invite tout le monde à aller sur les réseaux algériens. Quand on parle de Kabyle, de quelle façon on nous parle? On nous traite de zouaves, on nous traite de sionistes, on nous traite de tous les noms d'oiseaux qu'on peut. Donc, les interdictions de poste sont faites aux Kabyles, notamment pour un certain nombre de postes clés. Les Kabyles, ils sont interdits. Importe peu. C'est une question, un débat qui peut être agrandi et élargi. Oui, c'est un vrai débat. Voilà. Mais alors, pour les Chaouis, les autres berbères qui sont en Algérie, je vous rappelle que les Mozabites se sont fait massacrer sans que personne ne lève le doigt et Kemal Din Frar, qui est leur symbole, est mort d'une grève de la faim, dont l'a laissé mourir d'une grève de la faim dans la prison, en prison. Et il y a des mouvements indépendantistes, qu'ils soient Touareg, qu'ils soient Chaouis. Hein, il y en a actuellement qui émergent, disons. Quant aux frontières de la Kabylie, c'est vrai que si l'on prend la Kabylie ancestrale, l'arabophonie a grignoté énormément d'espace autour de la Kabylie. Nous ne voudrions pas faire en sorte qu'on récupère une Kabylie où il y aurait des problèmes de cohésion nationale. Donc la Kabylie que nous réclamons est celle qui se limite à la kabylophonie dans un premier temps. Ensuite, nos anciens parents kabyles ou frères kabyles qui sont arabisés, qui voudraient adhérer à la Kabylie, ils n'auront qu'à faire des référendums pour y adhérer. Donc les frontières et de type kabylophone. Enfin, voilà. Et de toute façon, l'Algérie a déjà donné à deux reprises les frontières de la Kabylie. Maintenant, en 2001, avec le baccalauréat que la Kabylie avait boycotté, et donc toutes les régions qui n'avaient pas participé au baccalauréat sont des régions kabyles. Et aujourd'hui, cherchez les limites de la répression, vous allez trouver que la répression, en prenant le cocktail des prisonniers, on verra qu'il délimite la Kabylie. Il donne vraiment une configuration géographique de la Kabylie.
Alors, une autre question sur YouTube Live, je pense. Absolument, et c'est avec Arezki Maouche qui dit « Ferhat Mehenni a toujours milité pour Tamazra, cette région qui englobe tous les Imazirènes. Aujourd'hui, il se concentre sur la Kabylie. Est-ce un recul faute de puissance ou bien un recentrage de son combat ?» Je pense que nous ne perdons rien de notre combat pour la majorité, puisque nous sommes d'origine berbère, mais je le redis toujours, être kabyle, c'est être berbère. Être berbère ne veut pas dire être forcément kabyle. C'est comme être français, c'est être latin. Être latin ne veut pas dire être français forcément. Hein, donc nous sommes dans cette même configuration. Et notre problème n'est pas déstabiliser les pays alentours, mais de faire accéder la Kabylie à son indépendance. Votre problème est d'exister. On en reparle avec les auditeurs, avec Ferhat Mehenni, tout de suite après cette petite pause. À tout et suite. Oui, vous restez avec nous, parce que c'est toujours la parole, elle est toujours la vôtre. On revient donc sur Sud Radio pour le face-à-face de Berkoff. Vous pouvez toujours nous poser vos questions au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et les auditeurs aussi, nos auditeurs par milliers sont dans tous leurs états avec Ferhat Mehenni sur l'histoire de la renaissance du peuple kabyle. Une question des auditeurs. Oui, nous allons avoir la question de Rachid de Paris tout de suite. Bonjour Rachid. Oui, bonjour Rachid. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Ferhat. Bonjour. Je voulais dire, disons, par rapport à certains auditeurs qui sont intervenus, oui. Le plus grand mépris, c'est que le régime, la junte militaire, la dictature militaire qui règne sur notre pays depuis 62, a toujours méprisé, interdit la langue berbère. Disons, elle était interdite de parler dans les régions arabophones, elle était pratiquée qu'en Kabylie et tolérée. Et, disons, ça, c'est le plus grand mépris, c'est la plus grande injustice. Ensuite, disons, le monsieur qui disait que les Kabyles un peu partout, etc. Ben c'est grâce à leur culture, à leur instruction qu'ils sont dans des forces de stratégiques. C'est pas grâce au gouvernement. Disons, sans les Kabyles, l'Algérie se serait écroulée complètement, quoi. Et lorsque je vois certaines régions, on dit que les Kabyles sont racistes. Parce que je vois que pendant les divers événements qui se sont passés en Kabylie, des révoltes, il y a eu des centaines de morts, des handicapés, des emprisonnés, des torturés, aucune région d'Algérie ne se soulevait pour soutenir la Kabylie. Mais par contre, pour soutenir les Palestiniens, le monde arabe, le peuple arabe, entre guillemets, les gens qui sont légion, quoi. Et ça, c'est ce qui prouve que nous n'avons absolument rien de commun entre les Arabes et nous. Eux défendent leur fantasme, leur fantasme du monde arabe, peuple arabe. Nous disons que nous ne sommes pas arabes, nous sommes des Imazirènes, nous sommes des berbères. Et quant à la religion, on est libre de choisir la religion qu'on veut. Voilà. Nous n'avons pas. Rachid, Ferhat Mehenni, justement, parle. Nous n'avons strictement rien contre les Arabes. Chacun est libre de vivre son identité sereinement, dans la liberté et le respect dû à chacun. Nous, par contre, nous voudrions faire la même chose, vivre notre kabylité le plus normalement du monde, hein, sans heurter qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre la langue arabe, nous ne sommes contre aucune langue au monde, nous sommes pour le respect de toutes les nations et de tous les peuples entre eux. Donc il n'y a pas une dichotomie raciale, notre démarche n'est pas ethnique. Notre démarche est politique. C'est culturel, que la Kabylie culturelle et politique. La Kabylie est un peuple, et là, un peuple particulier. Ce peuple-là se frappe à la porte du droit à l'autodétermination qui est consacré par toutes les conventions internationales. Rien de moins que cela. Mais rien de plus non plus. Voilà. Quant au racisme d'État, je voudrais quand même ne pas passer sous silence ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, après que l'Algérie ait changé cet article scélérat pour transformer toute opposition politique kabyle en terroriste, il y a eu début d'arrestation pour enlever les ténors, les héros de la Kabylie à la vie publique. Ensuite, ils ont interdit. Et il y a eu le Covid qui s'était développé de manière ravageuse en Kabylie, et l'Algérie avait refusé d'approvisionner
les hôpitaux kabyles d'oxygène. Et ici en France, nous nous sommes organisés pour, avec tous les villages, pour acheter des centrifuges, des génératrices d'oxygène et équiper nos hôpitaux. Vous voulez dire qu'il y a eu une interdiction L'ambassadeur belge ici à Paris a interdit l'acheminement de ce matériel vers la Kabylie. Et juste après que le scandale soit déclaré, il y a eu embrasement de la Kabylie. Elle a été brûlée avec des drones, avec des ordinateurs, avec des lasers. La Kabylie était devenue transformée en enfer le 9 août 2021. Et nous demandons à ce jour, à ce qu'il y ait une commission d'enquête internationale pour faire la lumière dessus, parce que seule la France, Macron, M. Macron, et nous le félicitons, avait réussi à forcer le barrage en envoyant deux Canadair qui ont été renvoyés le lendemain. Donc l'Algérie a tout fait, c'est un acte de génocide qui est comparable à celui de Saddam Hussein dans l'opération Anfal en 1989-88-89. Honnêtement, génocide, vous parlez génocide, c'est un génocide, c'est une tentative de génocide qu'il y a eu. Hein, il y a eu quand même... Dont on a très peu parlé, d'ailleurs. Il y a plus de 1000 victimes, mais il y a eu un écocide. Il y a eu la destruction des villages. Il y a eu un traumatisme tel que on n'a jamais vu cela. Et on a vu qu'on a trouvé des traces que c'était le phosphore qui a été utilisé par des drones et des aéronefs. D'ailleurs, les Kabyles redoutent à chaque fois qu'ils voient un hélicoptère passer ou un avion passer, tout de suite après, ils regardent s'il n'y a pas le feu. Et généralement, il y en a. Et nous avons des vidéos qui montrent que ce sont les hélicoptères algériens qui mettent le feu ou qui refusent d'éteindre le feu. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sont des informations graves. On n'en a pas beaucoup parlé, sinon pas du tout parlé. Nous avons fait un document. Nous avons déposé plainte. Plainte auprès de l'ONU, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, et nous avons déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale. Nous attendons les résultats. De toute façon, bientôt, l'Algérie va passer en examen périodique universel à Genève, devant la Commission des droits de l'homme, et nous allons les confronter par rapport à ces crimes. On verra la commission d'enquête, etc. Une dernière question, Alain. Oui, avec Sandrine du Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Dites-moi très vite, hélas, on arrive en fin d'émission. Oui, c'était tellement intéressant ce qu'il veut, justement. Alors bonjour à votre invité, et bonjour et bonne rentrée, monsieur Bercot. Merci. Et je voulais, non, moi c'est tout simple parce que je suis une passionnée de ce pays, la Kabylie. Moi c'est l'agriculture qui m'intéresse, voilà. C'est juste ma question par rapport, le type d'agriculture. Oui. Et puis... vous voulez dire quoi, la situation de la Kabylie agricole au point de vue agricole, les élevages, et puis bon, avec cette sécheresse, enfin, le type de production, c'est intéressant parce que c'est quand même un pays, nous on est dans le sud-ouest et que où on parle de réchauffement. D'accord. Pour les, voilà. Et après, je voulais simplement, je fais une petite parenthèse. Bon, j'ai mon père, mon papa qui a 82 ans, qui fait partie, comme toutes ces personnes qui sont parties en Algérie, qui n'ont pas eu compris ce qui s'était passé. D'accord, ça c'est autre chose. Et non, mais justement, juste pour dire que tous ont été très choqués, presque à la limite, ils n'ont pas compris, et puis ils ont dit, mais ils se sont... Oui, ça c'est toute l'histoire de l'Algérie, on en reparlera de cela. Juste un mot, Ferhat Mehini, sur l'agriculture et la Kabylie, enfin la richesse... La Kabylie a une agriculture de montagne, mais elle a des plaines qui sont très fertiles. La Kabylie a de son autosuffisance, si vous voulez. Ah oui, sauf en termes de céréales qu'il faut probablement importer. Mais la Kabylie produit surtout de l'intelligence. Et par rapport à l'agriculture, il y a une hydraulique assez... impressionnante. D'accord. Le Djurdjura est une réserve d'eau qui peut subvenir aux besoins de toute l'Afrique du Nord pour un siècle au moins. Eh bien, écoutez, que la Providence vous entende, et merci en tout cas pour toutes ces réflexions sur la Kabylie. Merci à vous. Je dirais juste un mot, juste pour rappeler cette obsession de la France à
vouloir dompter l'Algérie, je crois que c'est peine perdue juste pour dire que la France doit reprendre son ambition de formater le monde et de repartir à la conquête des pays africains notamment pour faire en sorte que les peuples dont on a qu'on a privé de liberté puisse y accéder. Eh bien, message transmis et nous, à demain, bien sûr. Merci beaucoup Ferhat Mehenni. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Réflexions dans le feu de l'action, histoire de la renaissance du peuple kabyle aux éditions Fauve. Et on se retrouve demain dans Berkov dans tous ses états avec Vincent Pavant, président de l'association Réinfo Liberté, qui vient d'être suspendu par l'université d'Aix-Marseille. Pour le reste, l'info et les débats continuent sur Sud Radio avec Brigitte Lahaye pour comprendre comment s'extraire de ces déterminismes culturels dans la pratique de sa sexualité. Elle recevra Philippe Bréneau. Merci beaucoup.